Toujours dans le cadre de la ville de Concarneau, je vous propose une petite visite et la revue accessibilité du musée de la pêche ici à Concarneau. Alors, je vous propose d'y rentrer et on va jeter un petit coup d'œil pour voir un petit peu comment ça s'y passe. C'est la partie non accessible, hein, et vous allez comprendre pourquoi, du musée de la pêche de Concarneau. J'aime pas avoir 2 mètres de vide sous moi. Alors c'est pas caméra sur épaule, mais presque. On va aller dans la salle des machines. Alors Gabriel, on vient juste de sortir du musée de la mer avec une petite aventure assez épique. Pas mal le musée, si ce n'est qu'on ne peut pas visiter évidemment le chalut qui est à l'extérieur. Toi tu as été le voir, on verra quelques images. Hein. Tu as eu quelques suées pour passer sur les pontons et descendre les escaliers et les monter, assez raides d'ailleurs. Et tout ça est encore au calme et pas par temps plat. La petite aventure comique, c'est que ce musée vous demande, si vous êtes en fauteuil roulant ou si vous avez un handicap, vous permet de payer 1 euro de moins à la place. Donc au lieu de 6 euros pour un adulte, c'est 5 euros. La petite particularité, c'est que votre accompagnant est, lui, peut vous accompagner gratuitement. Donc, ça veut dire que 2 adultes, ça vous fait un prix de 5 euros au lieu de 12 euros. Quand on est arrivé, manifestement, la fille qui était là ne le savait absolument pas. C'est parce que nous, on avait regardé ça sur un guide au départ et donc nous calcule 12 euros. On lui fait la remarque, au départ, elle nous rend juste 1 euro. On lui dit, non, l'accompagnant est aussi gratuit. Ah bon, elle vérifie, et effectivement, hop, elle nous redescend le prix à 5 euros. Le problème, c'est que le système informatique est tellement verrouillé qu'il n'arrivait pas à faire les opérations pour nous prévoir ce remboursement. Alors là, on a eu
un peu difficile et un petit peu chaud pour pouvoir rentrer. Ça nous a pris au moins 10 bonnes minutes en réalité à maintenir toute la file là-bas. Je suis obligé de forcer un peu parce qu'il n'y a qu'une moto qui passe dans les environs de Concarneau, c'est pour nous. Et donc on est resté, on a bloqué toute la file, mais nous a piqué quand même le tarif final à 5 euros au lieu des 12 euros. J'espère que vous avez tout compris parce que je crois qu'on a eu la seule moto de toute la journée de la ville de Concarneau. Mais donc voilà, donc si vous jamais vous allez au musée de la mer, n'oubliez pas, accompagnant gratuit et 5 euros au lieu de 6 pour la personne handicapée, mais ils sont très sympas. Ça s'est très bien passé. Allez, ciao, ciao, on va quitter maintenant la ville close et bye bye.